Namasté et bienvenue dans la routine Yoga Banana, dans la routine Éveil et moi de ce dimanche matin. Nous sommes le 10 janvier, nous avons déjà débuté l'année la semaine dernière avec la première routine de l'année. Donc nous sommes le deuxième dimanche et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle routine. Si vous avez participé au 2021 Banana Challenge cette semaine, je suis ravie de vous retrouver encore ce matin. N'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'à ce soir 20h pour participer et espérer gagner un mois de routine Éveillez-moi offert. Si vous faites déjà partie de la team Banana, eh bien vous pouvez vous faire rembourser une mensualité. Donc n'hésitez pas à participer. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux ce matin. Et donc nous allons commencer très rapidement et nous prendrons un temps à la fin de cette séance pour échanger, pour discuter ensemble. Namasté. Bonjour et bienvenue dans la routine Éveillez-moi mouvement. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis en tailleur, à poser le dos de vos mains sur vos genoux, paume de main vers l'extérieur, roulez vos épaules en arrière, grandissez-vous. Rentrez votre menton et étirez le sommet de votre crâne jusqu'au ciel. Fermez les yeux et laissez-vous transporter dans une prairie. Entendez la mélodie des oiseaux. Respirez calmement, profondément. Peut-être que vous êtes dans une maison de campagne, entourée d'arbres et d'oiseaux. Choisissez le lieu qui vous fait le plus plaisir. Et laissez-vous transporter par les oiseaux. Écoutez leur échange. Laissez-vous aller. Complètement. Votre visage est détendu. Il fait bon, vous êtes à l'extérieur et peut-être même que quelques rayons du soleil viennent caresser votre peau. Visualisez cet instant, imaginez-le. Votre esprit, vos sensations ne fait pas la différence entre la réalité et ce que l'on imagine. Pour vous faire plaisir, il suffit de laisser part à votre imagination pour ressentir ces sensations réelles, pour ressentir ce bien-être. Vos paumes de main sont tournées vers l'extérieur, sont tournées vers la nature, cette nature qui vous entoure dans votre espace imaginaire. Et vous recevez cette énergie. Vous recevez également l'énergie que je vous envoie, que je vous partage. Ressentez ce bonheur, cette joie de vivre. Ce moment de centrage en début de séance vous permet d'aligner votre énergie sur vos chakras, vos 7 chakras principaux, vos centres énergétiques. Et vous êtes en train d'activer votre chakra banana, celui de la joie de vivre. Ce 8e chakra qui se trouve au niveau de votre sourire, de vos sentiments de joie, de bonheur, de rire. Tout au long de cette séance, nous allons travailler sur ce chakra banana pour venir l'activer et le faire rayonner tout au long de la journée, voire même tout au long de cette semaine qui arrive.
Inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Maintenant, nous allons garder les yeux fermés et nous allons faire 5 apnées inspiratoires. Inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre. Vous allez garder l'air dans vos poumons, gardez le ventre gonflé comme si vous vouliez continuer à faire entrer de l'air dans vos poumons. Et vous allez souffler la bouche ouverte doucement sur 5 temps. Jusqu'au bout, videz complètement vos poumons. Inspirez. Puis gardez l'air dans vos poumons, gardez le ventre gonflé, comme si vous vouliez continuer de faire entrer de l'air dans vos poumons. Restez en suspens. Et soufflez par la bouche ouverte. Les yeux toujours fermés, on repart, inspirez profondément, gonflez le ventre. Gardez vos épaules basses, gardez l'air dans vos poumons, vous êtes en apnée inspiratoire. Et soufflez doucement la bouche ouverte. Jusqu'au bout. Encore 2 fois, inspirez profondément. Gardez l'air dans vos poumons, rétention d'air, poumons pleins. Gardez le ventre gonflé, sentez votre diaphragme, le muscle plein principal contracté. Appuyez sur vos viscères et soufflez sur 5 temps. Jusqu'au bout. Et la dernière, inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre. Puis gardez l'air dans vos poumons, c'est la dernière, on tient. Encore. Et soufflez sur 5 temps. Puis vous allez reprendre une respiration calme et naturelle, le dos toujours bien droit, rentrez le menton. Assurez-vous que votre visage soit complètement détendu. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec un grand sourire. Et vous allez placer vos mains en prière au niveau du cœur. Vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre, créer de l'énergie. Créez de la chaleur. Allez-y, frottez encore un peu plus vite, un peu plus fort. Ressentez la chaleur augmenter entre vos mains. Et relâchez vos mains sur votre visage. Écoutez le bruit des oiseaux. Cette mélodie douce et agréable. Et laissez se transférer l'énergie que vous venez de créer entre vos mains à chacune des cellules de votre visage. Puis vous allez venir faire glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau, pour assouplir la peau de votre visage. Puis vous allez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Vous ferez tout ce que vous avez à faire facilement, agréablement. Vous allez passer vos mains dans votre cou et tirer la peau de votre cou. Grandissez-vous. Et vous allez venir avec vos index majeurs masser le côté de vos yeux, vos muscles temporaux. En cette période un peu particulière, vous pouvez avoir un peu plus de stress. Peut-être que vous serrez les dents sans même vous en rendre compte. Et donc le muscle temporal est également un muscle élévateur de la mâchoire et il peut entraîner des migraines par exemple ou des tensions au niveau des cervicales. Alors n'hésitez pas à venir vous masser donc à côté de vos yeux et maintenant vous descendez sur vos mâchoires au niveau de vos muscles masséters. Ça s'appelle les muscles masséters.
Respirez, appuyez sur votre peau en tournant vos doigts sans trop vous faire mal. Appuyez légèrement, une légère pression. Puis vous allez venir au-dessus de vos oreilles ici, chercher une petite corde. C'est la corde du muscle temporal. Massez-vous. Et enfin, vous allez venir à l'intérieur de vos mâchoires. Ici, vous avez l'os de la mâchoire et vous allez venir faire glisser vos pouces à l'intérieur pour vous masser les muscles digastriques, qui sont également des muscles qui ferment la mâchoire et qui donc sont en tension lorsqu'on serre des dents ou lorsqu'on est stressé. Inspirez. Essoufflez, relâchez vos mains sur vos genoux. Si la posture assise prolongée est difficile, n'hésitez pas à vous surélever le bassin pour vous asseoir sur un coussin, une serviette roulée ou un bloc de yoga si vous en avez un. Vous allez venir échauffer votre tête, amener votre oreille gauche vers votre épaule gauche et soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut et soufflez le menton vers le bas. Allez le plus loin possible sans vous faire mal. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Arrêtez-vous à droite. Inspirez. Et soufflez, on repart dans l'autre sens. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Inspirez le menton vers le haut. Et soufflez le menton vers le bas. Arrêtez-vous à gauche et inspirez, redressez-vous la tête au-dessus des épaules. Alors, nous allons continuer avec un de mes exercices préférés. Donc, vous restez en tailleur si vous pouvez et vous allez venir inspirer, étirer votre bras droit, faire un grand soleil loin sur le côté et vous allez venir vous étirer sur la gauche. Donc ici, soit vous gardez votre bras gauche tendu, soit vous venez poser votre coude gauche sur le sol pour étirer tout votre côté droit. D'abord, vous regardez sous votre épaule droite. Inspirez et soufflez. Vous allez venir refermer votre épaule et étirer votre bras droit loin en avant. Inspirez, ouvrez votre épaule. Regardez par-dessous votre épaule. Et soufflez, refermez votre épaule et étirez votre bras encore plus loin. Inspirez, ouvrez votre épaule, regardez par-dessous votre bras droit. Et la dernière, soufflez, refermez votre épaule. Allez chercher loin, loin, loin sur la gauche. Inspirez, revenez. Et soufflez, revenez les épaules au-dessus de vos hanches. Pour qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour pouvoir rester face à vous. Vous restez dans la même position. Inspirez, étirez votre bras gauche. Faites un grand soleil avec votre bras gauche. Et venez vous allonger sur votre coude droit ou le bras tendu comme vous voulez. Ici, vous regardez par-dessous votre bras gauche. Vous étirez tout votre côté gauche. Vous gardez le sourire. Inspirez. Et soufflez, refermez votre épaule gauche. Étirez votre main gauche comme si vous vouliez aller attraper quelque chose. Inspirez, ouvrez votre bras, regardez par-dessous votre épaule gauche. Et soufflez, refermez votre bras gauche. Allez chercher loin, loin, loin sur le côté. Inspirez, ouvrez votre bras gauche. C'est la dernière. Soufflez, refermez votre bras gauche. Allez, on va chercher encore un peu plus loin. La dernière. Inspirez, ouvrez votre bras gauche. Et soufflez, redressez-vous la tête au-dessus des épaules. Maintenant, vous allez passer sur vos genoux, posez vos mains sur le sol. Et vous allez venir donc à quatre pattes. Ici, vous avez vos épaules au-dessus de vos poignets, vos genoux en dessous de vos hanches. Vous faites un angle droit entre votre buste et vos bras et vos jambes. Gardez le dos bien droit. Ne vous laissez pas tomber. N'arrondissez pas votre dos. Ici, vous allongez votre colonne. Vous rentrez votre menton pour avoir le dos le plus plat possible. Vous allez retourner vos orteils
Donc ici, retournez vos orteils pour prendre appui sur vos pieds et vous allez lever vos genoux, juste vous décollez vos genoux du sol pour mettre vos tibias parallèles au sol. Contractez vos abdominaux, contractez votre dos. À tout moment, si c'est trop difficile, reposez vos genoux au sol et vous allez inspirer, levez le bras droit. Ancrez vos orteils du pied droit dans le sol, gainez votre corps. Essoufflez, reposez votre main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche. Poussez dans votre pied gauche pour équilibrer votre corps. Essoufflez, reposez votre main gauche au sol. Allez, on recommence. Inspirez, levez le bras droit. Ancrez vos orteils du pied droit dans le sol. Gainez vos abdominaux, votre dos. Soufflez, reposez votre main droite sur le sol. Inspirez, levez le bras gauche. Ancrez vos orteils du pied gauche dans le sol. Essoufflez, reposez votre main gauche sur le sol. Reposez doucement vos genoux sur le sol, retournez les orteils. Et venez vous asseoir sur vos talons. Étirez vos bras loin devant, posez votre front sur le sol pour la posture de l'enfant. Relâchez tout votre dos. Respirez profondément, sentez la joie grandir dans votre cœur, cette joie de vivre, le bonheur de vous être réveillé ce matin et d'avoir la chance de passer une journée supplémentaire sur cette terre, dans cette vie. Inspirez, essoufflez, revenez les épaules au-dessus des poignets, retournez vos orteils pour pousser sur vos jambes. Et levez vos hanches vers le ciel en chien tête en bas. Inspirez, vous pouvez marcher sur place. Vous gardez vos orteils ancrés dans le sol et vous décollez un talon et puis l'autre pour venir plier une jambe et l'autre sans décoller les orteils. Respirez. Votre poids du corps est plutôt à l'intérieur de vos mains. Poussez vos épaules vers vos orteils pour aplatir votre dos. Inspirez, essoufflez, vous allez lever la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Gardez les orteils pointés vers le sol, sentez l'étirement dans la jambe gauche qui reste au sol. Soufflez, vous allez basculer vos épaules en avant et amener votre genou droit sur votre coude droit. Gainage. Inspirez, tendez la jambe droite en arrière, chien à trois pattes. Soufflez, amenez votre genou droit sur votre coude gauche. Gainage, toujours. Inspirez, étirez votre jambe droite en arrière, chien à trois pattes. Inspirez, ramenez votre pied droit entre vos mains. Cette fois-ci, posez votre pied bien loin devant entre vos mains et vous allez poser votre genou gauche sur le sol. Assurez-vous de bien avoir votre genou droit au-dessus de votre cheville droite. Si vous avez le pied trop en arrière, avec votre main droite, aidez-vous pour avancer votre pied vers l'avant. Inspirez. Essoufflez, vous allez étirer vos bras loin devant et vous redressez sur vos jambes, les bras tendus vers le ciel. Et vous allez continuer en croissant de lune si vous pouvez. Inspirez, grandissez-vous. Essoufflez, vous allez descendre les coudes en arrière, ouvrez vos coudes en posture de chandelier, donc les bras en chandelier, vous resserrez vos omoplates en arrière, sentez l'ouverture au niveau de votre cœur. Essoufflez, relevez les bras vers le ciel tendu, inspirez, ouvrez vos bras, ramenez vos mains vers le sol, repoussez le sol avec vos bras tendus, retournez vos orteils à gauche, pour tendre votre jambe gauche et vous allez venir prendre appui sur votre main gauche pour étirer votre bras droit vers le ciel. Regardez votre main droite vers le ciel. Inspirez, souriez, essoufflez. Si vous voulez, vous pouvez resserrer un peu votre pied gauche puisque vous allez prendre appui sur vos jambes pour monter en fente basse. Et vous avez votre main gauche devant et votre main droite derrière. Inspirez, vous êtes en fente, en torsion.
Donc vous avez les épaules qui regardent de l'autre côté, qui regardent à droite. Inspirez. Et soufflez, vous allez basculer la main droite sur la jambe gauche tendue et étirez votre main gauche vers le ciel. Vous êtes un guerrier victorieux. Inspirez, gardez bien votre genou droit au-dessus de la cheville et vers l'extérieur. Ne laissez pas votre genou droit entrer à l'intérieur. Et soufflez, vous allez faire un grand soleil pour ramener vos mains sur le sol de part et d'autre de votre pied droit. Repoussez le sol et étirez votre jambe droite en arrière. Inspirez. Et soufflez, étirez vos hanches vers le ciel. Si vous avez eu du mal à faire cet enchaînement, cette posture du guerrier victorieux, c'est normal, c'est une posture difficile. Vous y arriverez à force de pratiquer. Et si vous avez déjà réussi, c'est très bien. Vous pourrez au fur et à mesure avoir encore plus d'équilibre et de tonicité. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Soufflez, amenez votre genou gauche sur votre coude gauche, gainage. Inspirez, étirez la jambe gauche en arrière, chien à trois pattes. Les orteils pointés vers le sol. Soufflez, amenez votre genou gauche sur votre coude droit. Ne posez pas votre pied gauche sur le sol. Inspirez, étirez votre jambe gauche tendue vers le ciel, chien à trois pattes. Soufflez, posez votre pied gauche entre vos mains à l'avant du tapis. Vous allez venir poser votre genou droit sur le sol. Assurez-vous de bien avoir votre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et relevez les bras vers le ciel, inspirez. Et soufflez, continuez en croissant de lune. Allez chercher le plus loin possible en arrière. Tirez bien votre hanche gauche vers l'arrière et poussez votre hanche droite vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous, allongez votre colonne et soufflez, descendez vos coudes en chandelier, vos bras ouverts en chandelier, sentez votre ouverture du cœur. Inspirez et soufflez, relevez les bras vers le ciel, tendus vers le ciel, les épaules toujours bien basses. Inspirez et soufflez, ouvrez vos bras, amenez vos mains de part et d'autre de votre pied gauche, retournez vos orteils du pied droit pour tendre votre jambe droite. Vous êtes en fente basse, la jambe droite tendue, vous allez prendre appui sur votre main droite et étirer votre main gauche vers le ciel. Pensez à bien pousser votre hanche gauche vers l'arrière, assurez-vous de bien garder votre genou gauche au-dessus de la cheville, inspirez, soufflez, repoussez bien le sol. Ici, si vous aviez eu du mal à faire le guerrier victorieux de l'autre côté, pensez à resserrer un peu votre fente pour ramener vos pieds l'un vers l'autre. Et ici, vous allez pousser sur vos jambes pour ramener votre main droite à l'avant, main gauche à l'arrière, votre jambe droite reste tendue. Votre genou gauche est au-dessus de la cheville, et bien poussez vers l'extérieur. Inspirez, regardez votre main gauche à l'arrière. Et soufflez, basculez la main gauche sur la jambe droite tendue. En guerrier victorieux, étirez votre main droite vers le ciel. Inspirez. Soufflez, restez. Sentez la contraction dans vos jambes. Inspirez. Et tirez votre main droite vers le ciel et soufflez, faites un grand soleil avec vos mains pour reposer les mains au sol, repoussez le sol et reculez votre jambe gauche pour venir en chien tête en bas. Poussez vos épaules vers vos orteils, aplatissez votre dos. Sentez votre corps s'échauffer, se réveiller, se tonifier et s'assouplir. Inspirez. Et soufflez, vous allez marcher jusqu'à vos mains pour venir en pince debout, Uttanasana. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps, pliez les genoux pour relâcher le bas du dos pour ne pas trop contraindre votre bas du dos. Relâchez bien la tête, inspirez.
et soufflez. Tout le monde plie ses genoux et déroule le dos doucement. En terminant par la tête. Alors, on va continuer avec le premier mouvement du rituel des 5 tibétains. Donc ici, vous allez venir lever vos bras parallèles au sol, les épaules bien basses. Et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous tournez sur place pour augmenter votre champ magnétique, pour faire rayonner votre énergie positive tout autour de vous, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Observez l'espace qui vous entoure. Rayonnez votre énergie. Et relâchez vos bras le long du corps, fermez les yeux. Inspirez. Soufflez, restez. Inspirez. Et soufflez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire. Et je vous propose maintenant d'essayer une posture d'équilibre. Donc, on va voir déjà, on commence avec le malasana, donc la grenouille. Vous allez inspirer, écarter légèrement vos pieds, tout petit peu plus large que votre bassin. Ouvrez les bras, levez vos mains vers le ciel, regardez vos mains vers le ciel, connectez vos paumes de main l'une à l'autre et soufflez. Vous allez descendre doucement, pliez vos genoux, descendez vos mains en prière au niveau du cœur et venez ici placer vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Donc ici, vous êtes en posture de Malasana. Donc si vous voulez, soit vous restez là, soit vous allez venir essayer donc la posture du corbeau sur les mains. Donc ici, je vous montre, vous allez tendre vos bras et en fait, vous allez venir déplacer votre poids du corps sur vos mains pour venir monter les hanches vers le ciel et poser vos genoux à l'arrière de vos coudes. Ici, vous basculez en avant et vous essayez de trouver un point d'équilibre où vous pouvez lever peut-être une jambe, peut-être l'autre et revenez. Essayez déjà de faire ça quelques fois. N'hésitez pas à bien venir en avant. Plus vous placez votre poids du corps au-dessus de vos poignets, moins vous aurez besoin d'équilibre pour venir décoller vos deux pieds. Je me recule pour que vous me voyez bien. Et donc ici, une fois que vous avez fait ça plusieurs fois, vous pouvez essayer. Si vous ne voulez pas essayer, restez ici. En Malasana, il n'y a aucun souci, les mains en prière au niveau du cœur. Et poussez avec vos coudes à l'intérieur de vos genoux pour écarter vos hanches. Et donc si vous voulez essayer cette posture d'équilibre, ici, vous venez trouver votre point d'équilibre pour venir lever vos pieds et rester en équilibre sur vos mains. Si vous êtes à l'aise dans cette position, restez. Gainez bien votre dos, vos abdominaux. Inspirez. Et soufflez. Soit vous reposez vos pieds en arrière et vous revenez les mains en prière au niveau du cœur. Et pour ceux qui sont un petit peu plus avancé, si vous êtes ici, vous pouvez sauter ici pour venir en chaturanga. Donc en fait, vous, je recommence, vous êtes en équilibre sur vos coudes et vous gainez votre corps pour tendre vos jambes à l'arrière et venir en chaturanga, descendre sur le sol. Inspirez, glissez vers l'avant, chien tête en haut. Soufflez, chien tête en bas. Et venez nous rejoindre en Malasana, les jambes tendues. Et venez ramener vos mains en prière au niveau du cœur. Inspirez. Et soufflez. On va venir tous tendre les jambes. Resserrez ses pieds pour venir en pince debout. Uttanasana, respirez profondément. Et inspirez, vous allez venir plier vos genoux. Attrapez vos coudes. Rentrez le menton, allongez votre colonne. Inspirez. Et soufflez, vous allez venir vous asseoir sur votre bassin et vous allonger sur le dos pour le Shavasana.
Respirez profondément, les pieds écartés, les mains légèrement écartées, paumes de main tournées vers le ciel. Vous prenez une profonde inspiration. Et vous soufflez la bouche ouverte. Vous vous laissez aller complètement dans le repos du guerrier, accompagné par ces petits oiseaux. Votre visage est complètement détendu. Vous respirez calmement, profondément, et vous observez l'espace imaginaire qui vous entoure. Peut-être cette maison de campagne, peut-être cette prairie, ce qui vous fait plaisir. Transportez votre esprit dans cet endroit. Visualisez chaque couleur qui vous entoure. Ressentez une légère brise, douce et agréable, glisser sur votre peau. Peut-être sentez-vous les rayons du soleil réchauffer votre peau. Vous vous sentez merveilleusement bien, le visage complètement détendu, les mâchoires complètement desserrées. À cet instant, vous n'avez aucun problème, aucune préoccupation. Et si certaines préoccupations vous viennent, prenez-les en considération et visualisez-les s'envoler dans le ciel, tels des petits nuages. Laissez la vibration du bol tibétain vous parcourir, faire vibrer chacune de vos cellules. Soufflez la bouche ouverte. Vous allez commencer à bouger vos doigts, bouger vos orteils. Vous étirez, peut-être même bâillez pour reprendre le contrôle de votre corps. Nous allons terminer cette séquence ensemble. Vous allez venir me rejoindre en position assise, en tailleur ou comme vous le souhaitez, assis sur vos genoux, posture parfaite, ou assis sur une chaise. Les mains en prière au niveau du cœur, le dos bien droit, le menton rentré, inspirez, fermez les yeux. Et soufflez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande inspiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour cette séquence. J'étais ravie de partager avec vous cette routine Éveillez-moi Mouvement. Namasté. Très belle journée à vous. Et si vous souhaitez continuer l'aventure avec la Team Banana, vous pouvez bénéficier de 7 jours d'essai 100% offerts. Vous intégrez la Team Banana et vous avez 7 jours pour savoir si vous voulez continuer avec la Team Banana. C'est 100% offert, il n'y a pas d'engagement.
Et donc, vous pouvez venir essayer de vous réveiller tous les jours avec moi, avec nous, avec la Team Banana, en live à 7h30 ou en replay quand vous voulez. Donc voilà, c'est tout. Et le concours, si jamais vous gagnez le concours, bien évidemment, vous aurez le premier mois offert pour les personnes de la Team Banana qui sont déjà abonnées. Vous pouvez être remboursé si vous gagnez donc ce concours. N'hésitez pas à venir participer, à en parler autour de vous. En tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous et je reste connectée pour les personnes en live. Namasté, très belle journée à tous. Je vous envoie plein de bisous et plein d'amour. Alors, Jessica, merci beaucoup. Marie-Mathilde, pour cette belle séance. Merci beaucoup à toi, Jessica. Très belle journée. Et on se retrouve demain en replay. Namasté. Merci, Marie-Mathilde. C'était top, comme d'habitude. Merci, Anna-Valérie. Je suis ravie que tu aies trouvé cette séance top. Et je te retrouve demain, peut-être en live ou en replay. En tout cas, très beau dimanche à toi. Namasté. Alors Annie, merci, belle journée. Merci beaucoup Annie, très belle journée à toi aussi. Namasté. Merci. Avec grand plaisir, merci pour cette séance avec des postures fortes. Oui, tout à fait, bravo. J'espère que ça a été, j'espère que tu as essayé le corbeau. Et en tout cas, si tu ne te sentais pas de l'essayer, ce n'est vraiment pas grave. Au fur et à mesure, peut-être que tu prendras un peu plus d'assurance. En tout cas, si tu as réussi, bravo. Et sinon, keep going. Très belle journée à toi. Namasté, Karen. Merci, beau challenge, la posture du corbeau. Beau dimanche, bon dimanche. À demain, namasté. Merci, Nathalie. Alors, est-ce que tu as réussi le challenge du corbeau? En tout cas, très beau dimanche à toi aussi. Namasté et à demain. Alors, hop. Je remonte. Sylvie, bonjour Marie, je gagne en souplesse, bon dimanche, bisous. Chouette, je suis ravie Sylvie, très beau dimanche à toi. Et on se retrouve demain pour continuer à s'assouplir dans la bonne humeur. Namasté. Bon week-end Marie, à lundi matin, ma dernière posture d'équilibre, c'est chaud patate ou nouvelle expression chaud banana. Yes, trop cool, j'adore, chaud banana. Pour chaud patate, c'est vraiment énorme. Bravo. Je pense que je vais te le reprendre. En tout cas, oui, j'espère qu'avec l'opération que tu as eue du canal carpien, ça a été la posture du corbeau. En tout cas, n'hésite pas à réessayer et à progresser à ton allure. Très belle journée à toi. Et merci encore pour ta petite dédicace chaud banana. Je progresse, mon corbeau, contente d'avoir pu faire cette séance en live. Très belle journée à toi aussi et plein d'amour. Merci beaucoup, Jessaye. Namasté, très belle journée à toi. J'espère que cette séance n'a pas été trop difficile et j'étais ravie également d'avoir été en live avec toi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir mis ton réveil pour faire cette séance en live. Namasté, très belle journée à toi et à demain. Oh là là, sacré corbeau, il reste chancelant. Très bien, super, c'est génial que tu aies essayé de le faire. Merci cette séance qui m'a fait du bien. Comme toujours, très beau dimanche. À demain en replay. Très belle journée à toi Isabelle, namasté. Très beau dimanche également. Et à demain en replay alors. Valérie Jurien, merci pour cette séance. Va falloir travailler la position du corbeau. Et oui, je vous mets un petit peu de challenge pour vous aider à progresser quand même. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à rester donc en Malasana. Et progressivement, peut-être que vous prendrez confiance et que vous essaierez d'aller dans cette posture du corbeau. Je la propose de temps en temps. Venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas. Merci Nathalie. Chakra activé. Je dois afficher plus. Namasté, bon dimanche à tous. Namasté Nathalie, merci pour ton message. Je suis ravie que ton chakra banana soit activé et on se retrouve demain en live ou en replay. Namasté. Pour moi, ce sera en replay. Super, je vais le poster dans quelques instants.
Merci Marie-Mathilde. Moi, on m'a complètement perdue au moment du corbeau. Ça me paraît surréaliste en fait. Alors non, ce n'est pas surréaliste, mais si tu ne le sens pas, surtout, ne le fais pas pour ne pas te blesser. Par contre, peut-être qu'au fur et à mesure de ta pratique, tu vas pouvoir essayer de le faire. Déjà, rien que de mettre un peu de poids sur tes poignets et au fur et à mesure, tu prendras confiance en toi. C'est vrai que les poignets en prennent un coup. Ouais, c'est clair. Bonjour, bonjour, en live ce dimanche, très froid mais ensoleillé. Je suis pas un corbeau. Ok, c'est pas grave Marie-Claude. En tout cas, j'espère que cette séance t'a plu. J'étais ravie de t'avoir en live. Namasté, très belle journée. Et je vais bientôt poster le replay pour les personnes qui attendent pour faire cette séance en replay. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche. Plein de bisous, plein d'amour et surtout n'hésitez pas à venir intégrer la Team Banana pour les 7 jours d'essai 100% offerts. À demain la Team Banana, 7h30 en live ou en replay et à dimanche prochain pour les autres. N'oubliez pas, il y a le 2021 Banana Challenge pour avoir un mois de routine offerte. Ciao ciao! Ah, attends, j'ai pas vu Laetitia. Oh oh, alors je coupe sur Facebook. Tac! Donc, je vais lire Laetitia. Attendez juste une petite seconde. Tac. Voilà. Alors, Laetitia. Ah! Merci Marie-Mathilde, j'ai réussi la posture du corbeau sans difficulté et aujourd'hui j'ai même réussi à tenir accroupie les pieds à plat. Cette victoire, petite victoire, bon dimanche à toi et merci encore. Oui, je suis ravie. Merci beaucoup Laetitia pour ton retour. Heureusement que je ne suis pas passée à côté, en fait les messages ne sont pas remontés. En tout cas, vraiment ravie pour ton corbeau, ravie que tu aies pu tenir les pieds à plat. C'est vraiment chouette de voir cette progression. En tout cas, je suis vraiment ravie de pouvoir t'accompagner chaque matin, chaque jour où tu peux le faire avec ta vie bien remplie et tes enfants. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir dans la Team Banana. Très belle journée à toi, beau dimanche et à très bientôt. Namasté. Difficile pour moi le corbeau, mon message est parti trop vite. Lol, très belle journée, gros bisous, à demain. Ok. Eh oui, mais c'est normal, ça viendra, tu vas progresser. En tout cas, excusez-moi, j'ai pas vu les messages, ne sont pas remontés. En tout cas, très belle journée à toi, gros bisous également. Et à demain Jessica, namasté. Merci, super séance qui donne la pêche, très bon dimanche avec la banane, à demain. Je suis ravie que tu aies la banane Milo. Très belle journée à toi, très beau dimanche et on se retrouve demain. Namasté. Ok. Allez, ciao, ciao. Je coupe et je poste en replay.